Alors aujourd'hui j'ai eu ma première fiche de paye, donc je vais vous expliquer un peu plus comment ça se passe ici. Quand on travaille dans un restaurant, on a un salaire assez bas et en fait on mise beaucoup sur les pourboires des clients puisque le client doit donner 10% de sa note. S'il donne en dessous, il passe pour un vrai radin. Et un bon pourboire, on m'a dit, c'est à partir de, enfin, c'est 20% de la note du client. Moi, par exemple, j'ai été payée 8 $ de l'heure lors de mes 2 premiers jours qui étaient ma période d'essai. Et ensuite, c'est tombé à 4,50 $ de l'heure, ce qui fait environ 3,30 €. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais je touche des pourboires aussi et bah, c'est grâce à ça finalement qu'on arrive à avoir un salaire décent. J'ai demandé à quelqu'un si c'était loin d'aller jusqu'à Las Vegas en partant d'ici. On m'a répondu que non, c'était à seulement 7 heures de route. Alors nous, en 7 heures en France, on traverse quasiment tout le pays. Mais ici, les États-Unis, c'est à peu près 15 fois la taille de la France. Donc pour eux, 7 heures, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en général, ils se déplacent quand même en avion parce que bah, vu la taille du pays, c'est ce qui est de plus rapide, mais parfois aussi de plus économique. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 août et je reprends l'avion le vendredi 22 août, donc ça me laisse à peine 2 semaines. J'ai vraiment profité de chaque instant et c'est ce que je ferai jusqu'au bout parce que c'est un voyage exceptionnel. J'ai vécu des choses vraiment incroyables et je ne sais pas si j'aurai eu l'occasion un jour de les faire en France. Donc vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que de voyager, ça permet d'apprendre des choses sur soi, sur les autres, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça. Et puis j'aurais un message à passer aussi à tous ceux qui ont été étudiants ou qui sont toujours étudiants, qui ont eu des profs d'anglais pas toujours faciles. Moi, c'est ce qui m'est arrivé
J'étais en prépa littéraire et j'avais une prof d'anglais qui m'a beaucoup rabaissée, en tout cas qui m'a pas du tout encouragée. Et bah voilà, ici en tout cas, bah, je suis là depuis un mois et demi maintenant. Et bah, tout le monde me dit que j'ai un bon anglais, que je me fais très bien comprendre. Donc c'est un peu ma revanche sur tout ce qu'on a pu me dire et sur toutes les notes que j'ai pu avoir. Parce que c'est sûr, j'arriverai pas à traduire un texte de Shakespeare en claquant des doigts. Mais voilà, le plus important, c'est de savoir parler et de pouvoir se faire comprendre. Donc si un jour on vous a fait des remarques, ne baissez pas les bras et ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit parce que bah, moi, j'ai réussi à m'en sortir très bien, quoi.